J'ai bien aimé, c'est que ça pouvait se transporter comme une mallette. Avec une petite poignée, ça doit faire à peu près 1 kg. Il y a 258 pièces. Après, il y a une petite sécurité en dessous. Et on va ouvrir. C'est magnifique. Ils disent qu'il y a 258, hein. Bon, je vais pas compter, mais ici il y a des pinceaux, on les voit mal. Il y a une gomme, il y a des crayons de couleur, il y a des pastels aussi, c'est super beau. Il y a des feutres fins, des feutres épais, d'autres crayons de couleur. Alors je vois pas, je comprends pas forcément la différence entre les deux modèles, mais bon. Il y en a une, hein, certainement. Et bon, bah, deux tailles crayon, une autre gomme. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, peut-être pour mettre la peinture, du coup. Je pense, hein. J'ai pas encore tout revu. Et la peinture. Franchement, je sais pas s'il y a plus complet que ça. Je vois pas. En tout cas, c'est super bien. Vu le prix, si vous prenez ça, moi je vais le prendre pour ma fille. Eh ben, c'est une super bonne idée cadeau, surtout pour les pastels, hein. Ça peut vraiment être bien, elle qui aime bien dessiner. Vraiment, ça lui donnera la possibilité de faire. La qualité a l'air vraiment super bien. La qualité est vraiment top. Et une fois qu'elle a fini, hop, ça tout tient bien en place aussi. Hein, quand on ouvre, ça part pas dans tous les sens. Et après, il suffit juste de refermer ici. Et après, on peut le retransporter. Nous, on veut, ça tient dans une petite mallette toute fine.